fin. Speed Adrian 2. Encore une fois, vous allez me dire oui, mais j'ai une bonne raison à ça. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je le refais. Merci Red Couille, ça n'a pas fonctionné. Je vais vous expliquer en fait pourquoi je le fais. Pour une simple et bonne raison. Que la première fois que je l'ai fait, ça a été il y a l'été, il y a je crois quasiment dans 2 ans. Ça a été un fiasco total sur la fin. Et la deuxième fois, quand j'ai essayé de le refaire, sauvegarde corrompue. J'aimerais bien en faire un let's play complet si c'est possible. Et puis voilà, on y va, let's go, installez-vous. Donc il y aura de la live dans la journée. Ça va? Par contre moi je vais baisser mon son parce qu'il est fort. J'espère que votre son il est pas trop fort. Dites-moi si le son du jeu est trop fort ou pas. Je le baisserai. Ah les vieilles cinématiques. Mon dieu. Et en plus je sais quelle voiture je vais prendre. Et vous allez voir, il y a un peu de choix. Il se rappelle vaguement du jeu, entre autres. Qui se rappelle du jeu vraiment? Ce jeu est incroyable. Ce jeu, je le fais à chaque fois. Mais à chaque fois, j'ai toujours eu un problème. Ah, vous inquiétez pas, le jeu va tourner en 60 après. Là, les cinématiques sont bridées, évidemment. C'est un vieux jeu. J'aime bien ce que tu fais. Ouais, ouais, je sais. Y a une place pour toi dans ma bande. Là, cette fois-ci, les cinématiques sont en français. Alors, comment on les avait pas en français? Alors? Ça a commencé ici et ils veulent leur star. Waouh. Doucement. Allô. Allô. La fuck. Non, ça va, tout roule. J'avais juste un petit détail à régler. Un petit détail à régler. C'est méchant. C'est méchang. Pas très sympa monsieur hein. Faut me laisser vivre un peu. Je me doutais que tu voudrais changer 2-3 trucs pour y voir plus clair. Ok. J'essaierai de vous faire le 1. Vraiment, mais bon, voilà. Une fois à Bayview, Rachel s'occupera de toi. Elle t'a laissé. Je croise les doigts pour pouvoir vous le proposer en T4. Maintenant, attention. De toute façon, je pense que je vais essayer de vous faire celui-là là. J'espère qu'on va réussir à le finir. Qu'il n'y aura aucun problème. De deux, j'espère qu'on va réussir à le finir. Et de deux, je vais essayer de vous faire le 1 et le Most Wanted. Si on avait essayé de faire les 3, hein. Mais rip, j'ai fait ça n'importe comment. J'ai fait ça, non, on va pas se mentir, j'ai fait ça comme un sagouin. Donc on va faire ça correctement, on va faire jeu par jeu et basta. Ça, c'est de la voiture. C'est Rachel, la copine de Samantha. Il paraît que tu viens d'atterrir ici. Alors, bienvenue à Bayview. C'est beau. Au cas où t'aurais pas deviné, ce que tu entends, ouais, c'est ouais. Le SMS de la bagnole, le système de messagerie instantanée. Je sais pas si tu connais, alors je l'ai réglé pour une utilisation débutant. Lis les instructions pour comprendre comment ça marche. J'ai mis un peu de musique parce que sinon, alors, honnêtement, avec... hein, oui, si Need for Speed sans musique, c'est nimp. Bon, j'ai besoin de ma caisse. Alors rejoins-moi au parking indiqué sur la. Let's go. Rip. Allez, c'est parti pour l'aventure. Youhou, pour une troisième fois. J'espère que ça sera la troisième et dernière fois. Donc évidemment, il y aura un best-of. Hein. Mais par contre, il va falloir vraiment que j'achète un disque dur parce que là, vu ce qu'on est en train de faire, ça va vraiment prendre du temps. Hey Rachel, quoi de neuf? Ouais, non. Ouais, on va pas les faire. On va les prendre, notre voiture, et après, on va tout faire avec notre voiture.
sera beaucoup plus intéressant. Et je sais quelle voiture on va prendre. Une voiture que je n'avais pas encore pris dans... Évidemment, une voiture que je vais pas prendre, une voiture qu'on a déjà pris. Hein. Dans les deux derniers Let's Play, j'avais essayé de faire. On va prendre une autre, hein. C'est pas grave. Aïe. C'est pas vrai, j'ai pas cogné ta voiture du tout. Ah. Qui est-ce? On sait tous qui c'est cette fille. T'étais où avec ma caisse? Non, nulle part. Je te préviens, s'il y a une sale rayure. T'inquiète. D'après Sam, t'es un bon pilote. Peut-être bien, mais tu conduiras pas ma caisse. Dommage. Va falloir que tu allonges le fric pour t'en dégoter une. Je te rappelle. Oui, alors, fric inexistant parce que... Pour ceux qui ont beaucoup joué au jeu... Vous savez que les voitures, on les payait pas vraiment. Tu vas finalement pouvoir remplacer ta caisse ruinée. Samantha vient juste de me virer le paiement de l'assurance. C'est réglé. Choisis une bagnole, on se voit plus tard. Oui. Oui, je suis sérieux. Et je fais pas une vanne. Ah oui, et puis il y avait un truc qui était chiant aussi à l'époque, rappelez-vous. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Le jeu arrêtait pas de planter, ça n'est. Il arrêtait pas de planter le jeu, il crachait tout le temps. Normalement, on devrait plus avoir ce problème. Je croise les doigts pour que ça n'arrive plus. Je croise vraiment les doigts pour qu'on ait plus ce souci-là. Vraiment, parce que c'était mais relou. Et en fait, c'est surtout ça qui m'avait... qui me faisait chier, parce que qui me frustrait aussi énormément. Parce que déjà que le jeu était, à un moment donné, devient quand même assez chaud. En plus, le jeu il crache, des fois ça te refait reprendre à un moment, mais t'es obligé de te taper 4-5 courses avant. T'es obligé de te les retaper, c'était relou. Oh là, quel enfer. Je vais t'expliquer comment ça se passe ici. À Bayview, tout ce qui touche à la course passe par moi. Et au cas où tu l'aurais pas encore remarqué, il y a vraiment de quoi faire. Ici, tu peux trouver tout. Il suffit de savoir où chercher. Drag, drift, circuit, et bien plus encore. Bien plus encore. N'importe où où on peut mettre la gomme. T'imagines même pas. Waouh. Bien sûr, tout ça, ça veut dire qu'il y a pas mal d'argent à se faire. Et le top du top, ce sont les séries sur invitation réservées aux meilleurs des meilleurs. Mais pour se remplir les poches et gagner le respect, y a rien de mieux. Waouh, le respect. Tout ce qu'il faut, respect, c'est une bonne réputation et quelques relations. Et n'oublie pas que tout passe par moi, ok? Ici, c'est chez moi, c'est mon territoire. Alors fais gaffe. Là-bas, c'est Tommy, un vrai génie de la mécanique. Il va s'occuper de toi. Salut, mon pote. Rachel a tout réglé. Et tu peux maintenant t'installer au garage. Elle t'a fait un peu de place. Amène-toi. Je te montrerai où tu peux garer tes caisses. Ouais, lève-toi aussi. Ok, nous y voilà. Ton petit espace privé. Ici, tu yes. Avec la meilleure voiture du jeu. À l'arrière pour la tuner. Hey, au fait, j'ai oublié de te dire qu'il va y avoir de l'action en ville ce soir. Je t'ai transféré les emplacements des courses sur ta carte. On va pas lire, hein. Il faut que tu te fasses un nom. C'est sûr, on doit tout lire, les gars, on n'a pas terminé. Hein. S'il y a un nombre de messages dans ce jeu, incroyable. Allez, StreetX. Yo, mon pote, t'es tenté par une course de folie. On va se faire un street cross de la mort. Bon, écoute-moi bien. Le street cross, tu vas adorer. C'est le plus monstrueux challenge dans l'univers de la course. Ces circuits-là, ils sont hyper balèzes. Vu la place pour prendre les virages, faut régler ta bagnole comme une montre suisse. Fais tout ce que tu peux pour virer ce mec de devant ton capot parce que la corde est ton objectif. Si tu trouves la trajectoire parfaite, tu gagneras du temps. Ce qui compte, c'est pas la vitesse de pointe, mais plutôt les accélérations et une direction ultra précise. T'as pigé? Bon, rejoins la piste alors. Et bouffe-les tous! T'inquiète. Ah, ça me fait vraiment plaisir de voir que les cinématiques sont vraiment en français. Moi, on pourra tout comprendre. What? Ils sont envoyés les deux dans le mur. Allez hop.
Je vais mettre ma petite vue. Ah, salopard! Il essaie de me pousser, le salaud. C'est pas très sympa, ça. Il essaie de me pousser, lui. Il est fou, lui. On essaie de prendre les meilleures trajectoires possibles du jeu. Parfait. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était bien, ça. Ok, ok, tu t'en es bien tiré. Mais j'ai un conseil maintenant. Tiens, j'ai vu un truc intéressant, là. Dans la rue, l'écart entre toi et tes adversaires compte énormément. La victoire, c'est juste le début de l'histoire. Plus la marge est importante quand tu franchis la ligne, et plus ta réputation est boostée. Yeah, réputation. Hey mec, au cas où tu serais pas au parfum, je connais tous les ateliers au parfum. De tuning de Bayview. Si un parfait. Et il y en a encore déjà qui existent, c'est pas ça. Même moi au parfum. Tu en profiter. Ce matos ne reste jamais longtemps en rayon. Alors garde un œil sur tes messages. On verra plus tard comment tu peux me remercier. A plus. Oh, t'inquiète. Bon, let's go. C'était génial, hey mec, le drag aussi. Le quand drag, même. C'est un truc qu'on a tous dans la peau. Bon, le truc pour passer en tête, c'est le contour. Démarre juste au bon moment et les autres te verront partir comme un avion. Mais si tu traînes, tu vas te faire larguer. Oh. Tout de suite après le démarrage, il y a un premier changement de vitesse. C'est la clé de la victoire. Avec des rapports toujours à zéro. Tu auras un max de puissance. Mais attention, trop court, trop long, c'est la dernière place assurée. Bon, maintenant, si un gars te double, reste calme. Glisse-toi dans sa roue et colle-lui au train. Avec l'aspiration, tu gagneras la vitesse nécessaire pour le griller. Là, on rigole plus, possible. Mec. T'es prêt? Cool. T'as plus qu'à aller là-bas montrer ce que tu vaux. Avec le meilleur bruit de voiture possible. Cette voiture est incroyable. Et là, c'est la fluidité absolue. Ah, les cinématiques, elles étaient vraiment pas fluides. Ça, j'ai configuré les touches. Ouais, on a une 206 qui va tout ouvrir. Une 106, pas une 206. Lapsus. Let's go. Wow. C'est moi qui gagne. Je sais pas où sont les autres. Non, il était pas loin. Hein. Aïe aïe aïe. On est trop fort. Bon, à la base, ce live il était pas prévu du tout. Mais là, j'avais une envie. Comme une envie de pisser. Hein, comme on dit. Mais non, sincèrement, ça m'a pris là comme ça. J'ai dit, tiens, je vais le refaire. J'ai une nouvelle version. Normalement cette version là devrait pas cracher. Je me suis dit est-ce que ce serait pas le bon moment pour le faire. Va pas hein. On verra bien. Voilà, qu'est-ce qu'on est lent par pitié. Sauvez-nous. Gage. Putain, les musiques elles étaient vraiment géniales. Normalement, je vous ai mis un petit peu les musiques. Je les ai pas mis trop fortes. Normalement, le son du jeu devrait pas être trop horrible. On devrait être bon. À la limite, je préfère qu'il soit pas assez fort. Et au lieu qu'il soit trop fort, justement. Allez, on les
premier. Tout va bien, tout se passe bien pour le moment. Ouais, ouais, doucement. Bon, tout se passe bien, non? Ça va? J'espère que pour le drift, ça va s'en sortir, par contre. Parce que le drift, au début, ça a toujours été... ça a toujours été quelque chose, hein. Youhou! Alors... Chaque fois, je me plante le frein à main. Voilà. C'est l'autre bouton. On est en train d'enchaîner. On enchaîne tout. Casse-toi, chacal. Va-t'en. C'est parfait. Prends les trajectoires très bien, je me trouve. Par contre, j'ai pas regardé la difficulté. Oh, le con, le con. J'ai pas regardé la difficulté en vrai de dans la carrière. Faut que je regarde là par contre. Je sais pas qu'on les prend en facile par contre. Si on est en facile, du coup, c'est nul. Si c'est vrai que la difficulté, ils nous donnent pas le choix au début. Il faut que je regarde après. Ça, j'ai pensé que maintenant. Celle-là, je suis en train de mettre une lamine, c'est pas normal. Hein. What the fuck? Bon, ok. On a dérapé. En prendre pile poil les bonnes trajectoires. Va-t'en. Ok, dernier tour. Let's go. Bon, non, là, faut vraiment que je regarde la difficulté. S'il y a un problème, là. Si le jeu me dit que je suis en normal. Ouais. Ah, c'est le début, mais bon. C'est même bizarre. Parce que bon, l'autre il a 17, l'autre a 16 et l'autre a 8. Rip. Ça, c'est le karma, ça. Je sais pas, ça me paraît bizarre quand même. Ça me paraît bizarre que ça soit aussi easy. Bon, ok, on a gagné, yes. Mais si je suis en passé, c'est pas marrant. Attendez, comment on fait déjà pour vérifier? Je crois que c'est dans le jeu. On est en moyen. Mais what? On est en moyen, mais bon. Le début du jeu était aussi facile que ça? À télé performance, si tu veux, je vais pas y aller tout de suite. Bah go, let's go. L'épreuve de drift, l'épreuve fatale. Est-ce que cette voiture est faite pour ou pas?
On va voir ça tout de suite. J'espère que ça va être bon. Ouais, je crois que c'était le crash, mais non, tout va bien. Le drift, c'est 1, le style, et 2, la maîtrise. Concentre-toi sur ces trois mots, vitesse, direction et frein à main. C'est logique. Leur combinaison qui te permet d'engranger un max de points en réussissant des super manœuvres. On va voir si elle est faite pour. Hein. Vas-y mollo avec la pédale de frein, parce que plus tu vas vite, plus tu dérapes et plus ton score sera canon. Yeah. Ton score détermine ton multiplicateur, celui-ci affecte le score de ton prochain drift. Alors assure-toi qu'il est élevé. Dès que tu maîtriseras toutes les subtilités du drift, tu pourras commencer à les exécuter sans transition. Enchaîne-les en un long dérapage continu et tu marqueras un max de points. Bon, si tu te sens prêt et que tu veux frapper un grand coup, va laisser de la gomme sur les bas-côtés. Plus tes pneus dérapent dans les couloirs bonus et plus tu marques. Fais juste gaffe à pas te prendre un mur. Ou tu au début, ça va être chaud, hein. Vraiment. Ça, en vrai, même si tu prends bon, n'importe quelle voiture, ça a toujours été long et lent et chiant. Ça a toujours été long, lent et chiant. Vraiment. Ça l'a toujours été, je crois. Et en plus, avec ça, là. Putain. Une 116 qui drift, quoi. Et what the fuck. Et Overdrive, comment tu vas? Moi, ça va très bien, quoi. On fait un petit let's play tranquille. Et ce soir, la suite de Mario Bros. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Je vais essayer de charbonner tout ça là. Je charbonne les streams, les vidéos, je fais tout ce qu'il faut. Hein. J'essaie de me mettre à fond, je fais tout. J'essaie de me rattraper. Maintenant, j'ai compris ma leçon. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Maintenant, on arrête les conneries et on bosse. Bref. Tranquille. T'es encore là, Overdrive ou pas? T'es encore, je pense, non? Wouhou! Mec, une 116 qui drift, vous verrez ça que dans le jeu. Vraiment. Bon bah let's go. Pour le moment on n'a pas encore crashé, je suis content. Cette version devrait être optimale. Tu sais quoi? T'es en train de faire pas mal parler de toi. Apparemment tu intéresserais plusieurs sponsors. Yes man. Ça veut dire que tu vas pouvoir participer au championnat de course underground dont je t'ai parlé. Pas de circulation, de la conduite pure. Ça se passe sur un circuit privé. Ah, t'es star. Ah oui, non, tu marches chez toi, ok. Et comme on marche ensemble, jusqu'à 13h, ça marche. Je vais devenir ton agent. Je sais même pas quelle heure elle est. Petit pourcentage, et en échange, midi 20. Je te mets sur les bons plans. Je vais streamer jusqu'à 14h et on se retrouve ce soir pour la suite de Mario Bros. U. Là, je joue jusqu'à 14h. J'essaie de faire le montage de dès la rediff. Faire le montage, publier, enfin essayer de publier. Au moins bosser là-dessus. Et ce soir, 17h30, bon, on se retrouve pour la suite de. De New Super Mario Bros. U, voilà tout simplement. Voilà à peu près le programme de la journée. Et je pense que demain on refera pareil. Quoique, remarque, c'est pas dit. C'est pas dit ce week-end ni un live, je sais pas encore. Allez, on va améliorer un petit peu les pertes de la voiture. C'est important. Et vous inquiétez pas, esthétiquement on va la changer aussi. Tu connais maintenant l'atelier Mega Discount. Il propose pas un choix extraordinaire, mais c'est suffisant pour les réglages de base. En plus, c'est toujours ouvert, et tu peux y faire un saut n'importe quand. La nitro est stockée dans un réservoir. Hésite pas à t'en servir dès que t'as besoin d'un supplément de pêche. On va prendre ça. Les chevaux, c'est de la vitesse à l'état pur. Avec toutes ces nouvelles pièces, ta caisse a besoin de pouvoir gérer tout ça. Choisis donc une puce plus performante. Ok. Je pense que j'ai pris les deux trucs essentiels. On améliore un petit peu les perfs de la voiture. Je pense que ça devrait être pas mal. Il devrait être bien là comme ça. Il devrait être pas trop mal, je pense. Let's Groot. Allez, go. On va vous fumer. Avec vos voitures un peu moches là. Ils se sont envoyés dans le mur les deux, quoi. Ah, salaud. On va pousser le fumier. Casse-toi. Je ferme les portes. Faut pas que tu passes, salopard. Y'a personne qui passe. Mais t'es ouf ou quoi?
On essaie de prendre les meilleures trajectoires possibles. Essayer de prendre de l'avance. Ça va être chiant quand même, mine de rien, parce qu'il me colle au train là. Il me colle au train là. Oh. Oh, déjà j'ai volé leur goûter. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien fait. Oh. Est-ce que le son de jeu est assez fort ou pas d'ailleurs, Overdrive, puisque du coup j'ai pas pu vérifier vraiment avant. Aïe, j'essaie de le configurer comme j'ai pu, mais. Ce jeu date de 2004-2005, je crois. Ce jeu, j'y jouais à mort quand j'étais gamin. C'est vraiment un de mes jeux préférés, hein, honnêtement. Si ce n'est pas le jeu préféré, mon jeu préféré de tout. Ouais, le son est bien. Nice, parfait. Merci Overdrive. Let's go, on a gagné. Bon, on est en moyen. Hein. On va essayer de mettre en difficile, au pire, mais. Bonus contrat. En vrai, je serais bien tenté de prendre celui-là pour changer un peu. Parce qu'à la base, je prenais toujours celui-là. Parce que j'adore le drift, donc. Voilà quoi. Mais je pense qu'en vrai, on va prendre celui-là. Toyo. Allez, go. Il a quand même un meilleur bonus. Hein. Ok. Ouh, putain, il est long celui-là. Mec, je crois que ta bannière ne sent pas bien. Faudrait peut-être songer à faire venir un médecin, mais je veux te dire que ses chances de survie sont plus que limitées. Tu vas voir si elles sont plus que limitées. L'œil, tu parles pas comme ça de ma 106, c'était fou quoi. Malade ou quoi lui? Eh hey, mais vous êtes ça? Eh hey. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces guignols? Chum, pourquoi ça, sale gamin? Il se l'est pris! Ah ouais, yes! Ah, je suis trop content! C'est quoi cette IA? Je savais que l'IA était débile, mais alors à ce point-là, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que c'est cette IA? Ok, la course n'est pas perdue. Putain, je te mouille, putain, tu vois, toi. Ciao! Waouh! Alors ça, what the fuck? Moi je l'ai dépassé, c'était une violence! Ah, attends! Attends, Overdrive, bouge pas, voilà, let's go! Ah, je regardais le chat, pas la course! Ah, ouais, non mais là ils ont fait n'importe quoi, les gars, là, j'ai pas compris ce qu'elle a fait là. Je sais pas ce qu'elle nous a fait. L'IA est partie en vrille, c'est pas très grave. Non mais what? C'est pas grave. Le coca c'est pas grave, on est déjà à 42%. What? Mets la gomme. Je vais se concentrer mieux. Là il y a la meilleure musique du jeu. Ça va ou quoi frérot? Ouais, ça fait deux fois que je te dis frérot, moi ça va bien. On a bien pris le virage. C'est parfait. Faut qu'on passe absolument par là par contre. Oh là 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 là, les trajectoires de malade mental. Oh là 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 là, c'est fou ce qu'il se passe presque quelque chose.
On va faire de l'e-sport sur ce jeu. Non, n'importe quoi. On est pro sur ce jeu, c'est incroyable. En même temps, je joue avec la meilleure vue du jeu. Hein. On prend les trajectoires incroyables. Cassez-vous, c'est ma route. Personne ne pourra passer à travers mon chemin. T'as une 106 qui met une lamine comme ça. Oh là. Vive les voitures françaises. Let's go. N'importe quoi. Bon bah voilà.